Salut, tout ça, on va faire un test sur Xbox One X de Rally 4, c'est parti, on va montrer ça. C'est un jeu de voiture qui était très connu sur la PlayStation il y a un petit moment déjà. Là ils ont ressorti un nouveau, enfin, que moi je connaissais pas. Alors là je vais montrer tout de suite comment ça se passe. Alors déjà on a 50 000 $, le menu principal, course jeu 1. Voilà, ouais, là on voit tout ce qu'on doit faire, les voitures pour qu'on possède, tout, un rallye, pour cross, il y a du rallye cross déjà, je vois là. Allez hop, partie rapide, mode V-Rally, on va faire une partie rapide pour montrer les véhicules qu'il y a. Il doit y en avoir pas mal je pense. Alors, rallye cross, test de conduite de 1. On va faire du rallye. On va voir comment ça se passe. Il doit avoir le mode multi je pense en même temps. Oui, il y a toutes les voitures là on voit. Mitsubishi, Lancia, Delta, Skoda, ce qui se rappelle. On va prendre le Lancia Delta. Réglage, hein. Lancer la course. Allez hop. Ouais. Amélioration du véhicule, tout. Alors je vois un peu comment c'est foutu. Téléchargement. Gravité. Ouais, lancer la course. Ah ça y est. Ouais, j'étais en train de chercher parce qu'il y a plein de petits réglages. Tout. Alors, graphiquement, ça a l'air pas mal pour l'instant. On va voir la suite. On va voir comment ça se passe déjà avec les véhicules. Ça, on sent bien la sensibilité et tout, la sensation de la voiture. Test de conduite du Canada. Alors les V-Rally, c'est vrai que ça date d'un bail. Là il y a les WRC, il y avait des Colin McRae avant, à l'époque. Ah, tiens, ce qui est bien, c'est qu'on sent bien la station de la caisse. Ouais, ça aussi on le sent bien. Putain la mèche pour la sortie. Oulala, par contre il a glissé. Il a qu'à faire les drifts. Je suis sorti de route. Alors les vues. Faut que je trouve les vues d'ailleurs. Les vibrations sont bien faites par contre, on sent bien la poussée. Et je cherche les vues. Ah voilà, la vue capot déjà. Ça vous plus sur un. Pas la vue avec le volant. Si, pas la vue avec le volant. Ah, il y a un succès. On aura le succès pour le PNC. Metteur en scène, ok. Glisser. Alors moi je l'ai mis en auto. Le problème c'est comme on n'a pas de copilote, je sais pas où c'est que je dois aller à péter là. C'est pas mal hein, par contre, c'est pas facile en train de. Elle est rapport de vitesse, c'est pas mal. Le seul petit bémol c'est qu'on n'a pas de la carte, on sait pas où c'est que je dois aller là. Là je sais même pas où c'est que je dois aller. Je fais un drift, on dirait qu'on peut aller partout. Là, je vois. Tellement un tremplin. Coup le vol. Ah par contre ce qui est bien c'est qu'il y a les dégâts. Les caisses. Je vais faire un vol là. Ah c'est l'avion de Warzone. Coucou avec lui, ça qu'est-ce. Ah c'est pas mal le truc. Ah j'ai fait un autre succès. Nissan. On va faire un petit saut. Cool la caisse. Ça tombe bien. Bon c'est pareil. Oh. Sortir la caisse, que je l'ai explosé la caisse. Oh le petit mode d'entraînement là. La voiture. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir au menu, on va montrer autre chose parce que là c'était juste le mode d'entraînement pour montrer la Lancia Delta là. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a du rallye, cross. On va voir comment ça se passe. Ce rallye cross. Allez, allez.
Là, il y a Renault Alpine. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme caisse? Renault Alpine. Volkswagen. Honda. On va prendre la Volkswagen. Alors, le temps que ça se mette un chargement. Par contre, le chargement il doit pas l'air trop long. Ça a l'air d'aller. Allez, allez. Je dis ça et en fin de compte, le chargement est plus long. Là, on peut régler, amélioration, fiche technique. Mince. Ah, c'est là. Mais j'aurais peut-être chargé. Graphiquement, il est pas mal, hein. Les détails et tout. Oulala. Oh putain, je suis arrivé à une vitesse. T'as vu la route, hein. J'ai vu l'échappement. Là, je suis en train de vous faire une Fast and Furious 2. C'est pas par là. Est-ce que c'est par là? Attends, on va faire un dipte. Est-ce qu'on y va, hein? Putain. Attendez, un petit jeu, il est pas mal, hein? C'est pas mal. Après, il faut avoir plus. Hein. Je vais essayer de faire une histoire pour prendre les dégâts. J'ai vu qu'il y avait un truc là, c'est... là. C'est quoi ça? Ah non, faut pas monter. Je vais essayer de vous montrer autre chose parce que là c'est toujours pareil. Pour l'instant c'est pas mal. Faut avoir plus. Alors ouais, il y a plusieurs endroits. Tiens, je vais montrer ce parcours. Ça a l'air sympa, un peu dans le désert là. Un verre de buggy là. On va prendre celui-là. Hop, Monument Valley aux USA. Ouais, oui, pour dire que le jeu il est gratuit. Pour le mois de mai. Sur la Xbox One. La Xbox Live. Si ça vous intéresse, si vous aimez les jeux de voiture, c'est toujours un jeu à prendre. Gratuit en plus. Ça va être de passer à côté. Allez, c'est parti. Allez, derrière c'est rien. C'est pas une. Parce que je connais pas le circuit. Essayez de vous concentrer les gars. Fait, là. Ah mais ça a fait un succès. Un kangourou, le bord de gueule. C'est carrément un bouquet là. Oh putain, par contre la vision de... la marche arrière elle est comment là? Ouais. Ok, elle est où la marche arrière là? J'arrive pas à passer la première. Ok. Allez, j'arrive pas à faire la marche arrière. Ah, je sais pas. Je voulais pas faire la marche arrière. Je sais pas pourquoi. Par contre, les sensations de cette bagnole, elle est pas terrible. T'es mieux les autres. Par contre, il est pas mal, mais et comme il est un peu sombre là, avec l'effet du soleil qui est un peu mal. C'est un petit peu dommage. Il est sympa par contre. On va glisser. On va passer par là. Ah, c'est par là, c'est tout à l'heure.
J'ai raté. Oh putain. J'ai pas fait avoir. Pas évident. Piloter la caisse. Alors les bruitages sont assez sympas, ça va. Ouais, c'est pas le meilleur jeu de bagnole que j'ai essayé, mais un petit côté fun quand même. C'est pour un V-Rally. C'est vrai que ça t'attaille ça. Le dernier que j'ai joué c'était sur la PlayStation, mais il y a un bail. Je suis raté. Il y a 4 tours en plus. J'ai déjà fait deux tours le mec. Il s'est éclaté. Il m'a éclaté lui. C'est la ganasse. Non, j'ai trouvé la marche arrière. Allez. C'est sûr que ça vaut pas un Forza. Je dis, il est gratuit là. Tu peux en prendre. On a des voitures de rallye, des voitures de course. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je vais y voir. Il y a le mode histoire, j'ai vu aussi. On va essayer de le faire, ça. Comment ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de voitures de rallye, parce que c'est la base, c'est le principe. Dernier tour. Quoi, bouge tellement la caisse. Oh lolo, je suis parti. Alors celui-là, à chaque fois je me mets chez eux. C'est bizarre parce que l'effet de vitesse là est impressionnant. Pourquoi les glissades. Graphiquement il est sympa, ça c'est pas le même siècle. Il tourne bien. Surtout si vous êtes à une Xbox One X. Je vais péter la voiture à deux. La caisse désaccélérer pourtant quoi avec le sable c'est pas évident. Ce qui est bien par contre c'est qu'on ressent tellement bien les sensations de la manette, c'est qu'on ressent vraiment tout ce qui est sable, tout ce qui est bitume, tout ça c'est bien fait. Ah, un autre succès j'ai eu. Ah, il en fallait qu'un. Ouais, je sais pas pourquoi ils m'ont refilé le succès alors que je suis arrivé dernier, mais en fait c'est pas grave. Ah, parce que j'ai peut-être fini la course. Et il y a quoi après? Extrême... Je sais pas ce que c'est comme caisse ça. Alors ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. On va aller voir. Mode... Alors il y a un mode multijoueur. Ouais, il y a un mode multijoueur déjà, ça c'est bien. Mode CV Rally. Ça va être le mode histoire je pense. Ça va être un mode carrière. C'est ton premier tour de piste hein? Ouais. J'ai entendu dire que tu étais un pilote plutôt prometteur. Moi, c'est j'ai besoin d'un agent pour évoluer. Ça tombe bien, c'est mon job. J'ai hâte de voir comment tu te débrouilles aujourd'hui. Ah. Qui sait, tu pourrais peut-être même décrocher ton premier contrat. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, voici ta voiture pour cette session d'essai. Ce test de conduite se déroulera dans les vastes plaines de Monument Valley. Monument Valley. Et d'admirer trop longtemps les énormes monolithes rocheux qui surplombent la zone.
Les routes sont accidentées et piégeuses, et ce serait dommage si tu anéantissais la voiture au premier tour de roue. Bon, y a pas de problème pour ça. Prends ton temps, y a aucun problème. À la conduite, à ton rythme. Mais la vue, mais faites la vue intérieure. Oulala. Ouais, peut-être pas. On va un peu la tête, ça va plus. Faut glisser. Alors, vous avez du mal à anticiper certaines trajectoires. Ah oui, là j'ai du mal. Virage serré, bosse, comment les appréhender, c'est ce qu'il vous indiquera. Quoi, ils sont là, avec une manette, c'est pas évident. Avec un volant, peut-être. Alors, une manette. Attention, chicane, entrée droite. Chicane. Le problème, c'est qu'elle glisse beaucoup trop. Je sais pas pourquoi. Dans gauche 4, 300. Ah ouais, il faut faire un 300. Attention, faire à droite. Parce qu'il y a une erreur, c'est un français. Faire à droite, c'est des 3 sur table. Dans gauche 4, ouais, je l'ai plus passé, nickel. Il peut plus passer là. Mais la caméra des flèches. Ah oui, ok. Gauche 3 ouvre 50. C'est passé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un copilote. Si tu es un peu familiarisé avec ton véhicule, on va tester tes compétences. Tu seras chronométré à partir du prochain checkpoint. On va voir comment tu te débrouilles. Ah ben en plus. Je vais faire méga chrono les gars. Je suis raté. Le chrono est lancé. J'ai raté le... Utilise ce que tu as appris. Pilote bien, pilote vite, mais surtout, essaye d'éviter de te planter. C'est plus dur à dire. Quoi faire? Oulala. Oulala. Gauche 5 dans droite gauche. Droite 5, sur l'autre côté, je me suis trompé. C'est pas grave, j'avais repris un succès. Le roi de la glisse. Droite 4 long, ouvre. Aïe. C'est bon, les mécanos, ils vont pas avoir trop de travail. Et attention, ciel, vers à droite. Gauche 4 court et droite 3 ouvre. Oh putain. Gauche 4. C'est une épave la caisse. Et gauche 4 court. Droite 4 et gauche 3 reste au milieu. Le problème c'est qu'elle est, je sais pas, elle s'exacte trop la caisse. Attention, elle est trop sensible. Elle est trop sensible la caisse. Dès qu'on tourne à droite à gauche, je sais pas ce qu'elle fait. Et gauche 4 court. Dans droite 4. On connaît bien les... Les Verali là, c'était leur gros défaut à l'époque, ça m'a choqué. Dans gauche 3 court, et gauche 4, dans droite 3, et gauche 5, essayer de finir le parcours. Dans droite 6, et c'est sympa par contre, gauche 4 court, et droite 4, petit parcours comme ça. Gauche 5 court, et droite 4. Dans gauche 3, 30. Eh, mais ils sont pas mal là. J'ai pas foutu en l'air. Et gauche 3, dans arrivée. Ah, pas mal. Là, j'ai fait un bon petit tour. Ouais. Pas mal pour un premier essai. Ouais, pas mal. Alors, j'ai bousillé là-bas. Le temps que tu as fait, on a ajusté tes options de pilotage. Bien entendu, tu peux toujours les régler manuellement dans ah, le ouais, menu manuel, des options. Tout, ouais, tu peux tout mettre comme. Ouais. Ouh, de nuit. Une course de nuit. Non. Quoi, et ça, c'est pas mal par contre. Ça je l'ai fait tout à l'heure, et buggy, rally, ça c'est pas mal en course là. Celui-là c'est le meilleur ça, en course. On va
Ouais, il montre un peu tous les véhicules qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, par contre, les véhicules. Maintenant que je sais ce que tu veux, je peux t'aider à démarrer ta carrière de pilote. Alors. Bien, allons faire un tour au QG. Nous y sommes. C'est ici que tu peux consulter tes derniers résultats de course. Tu as déjà pu t'essayer à une spéciale de rallye. J'ai maintenant une course de V-Rallycross à te proposer. Va faire un tour sur le hub d'activité pour voir la course disponible. Ça c'est fait. Et j'y vais comment là? Quand tu es prêt, valide pour lancer la course. Ah, elle est là. Non? Ah, ça, c'est intéressant. C'est en plein cœur du bocage anglais que se déroulera l'épreuve suivante. Attention, c'est une discipline différente du rallye qui t'attend. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Ah, peut-être qu'il arrive là, après, ça va servir quand même. J'avais la bonne tout à l'heure, elle était trop sensible. N'oublie pas, il faut impérativement que tu passes une fois par le Joker Lap pour éviter une pénalité de temps conséquente. Dernière chose, fais attention aux voitures de tes concurrents. Il se pourrait qu'ils soient un peu agressifs dans leur conduite. Un peu agressif. Allez, je suis premier les gars. Oui, je vais être dernier à la fin, mais c'est bien. Je suis premier. Allez, oh putain, je vole. C'est où là? Ah, c'est pas grave, il fait une rive ça. Je suis cool. Je vais être premier. Un petit peu, c'est pas vrai. Premier? Je suis dernier? Non.
suis dernier les gars. Je croyais que c'est bruit. Ah putain, j'ai un truc qui est pas dû faire là. Ou les pénalités peut-être, je sais pas. Attends, on va avoir le petit replay par contre. Un petit replay. Ah ouais. Bah, je change la caméra. Bah voilà, c'est pour vous montrer le jeu, pour vous dire qu'il est pas mal quand même, il est vraiment sympa. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous le conseille. Ah, j'ai gagné un peu d'argent en plus. Il est pas mal quand même. C'est un petit jeu de bagnole sympa quand même. Ce V-Rally. C'était une course plutôt mouvementée. Ouais. À chaque fois que tu termines une épreuve, tu gagneras de l'argent en fonction de ton classement. Tu auras aussi des frais d'entrée à payer pour participer à certaines courses. Ah ouais, en fait, quand tu as l'argent, vous gagnerez le classement, vous pourrez aller des courses avec. Évidemment, plus d'argent signifie que tu pourras participer à... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sous ce coup, je vous dis à plus. Ciao. Maintenant, il faut te trouver une voiture. Ouvre le panneau concessionnaire pour voir les véhicules en vente.